la fête des brebis en sortie. C'est le nom donné à la première fête des ovins sur le site de la chapelle de l'Immaculée Conception à Pont-à-Maffray, Mont-Pascal. Cette manifestation est organisée par le syndicat des éleveurs d'ovins, le comité des fêtes et la commune de Pont-à-Maffray, Mont-Pascal. Pour commencer cette belle journée, une messe est célébrée dans la magnifique chapelle construite en 1855. Suivie de la bénédiction des troupeaux par le père Durieux. Et pendant ce temps-là, un concours de fromage de brebis avec différentes catégories. Le concours de fromage, c'est le premier de Savoie. Il n'y a encore jamais eu de concours de fromage de brebis en Savoie. 3 mois de travail pour le préparer, selon le créateur du concours. Il faut savoir que le nombre de produits, il y avait 47-48, hein, je crois. 48 produits, ce qui est énorme. C'est sûr, mais comme a dit le président, 90% de la production était représentée. Alors 3 mois de travail, c'est sûr. Le nombre de produits a exigé 3 jurys différents. Il y avait 6 catégories. Les 3 jurys étaient composés de 6 membres, lesquels 6 membres devaient porter une appréciation. J'aime pas le mot jugement, hein, mais une appréciation d'une production de région qui, elle, s'est révélée d'un très haut niveau. On peut déjà dire que ce concours est une totale réussite. Je pense qu'on peut parler aujourd'hui de comice agricole pour les ovins. Cette manifestation, on va la revoir l'année prochaine et forcément, comme tout est perfectible dans la vie, on va encore l'améliorer et ce sera encore forcément mieux. Les nombreux visiteurs sont comblés. Stands de produits artisanaux, matériel agricole, associations, restauration, concours de jugement de bêtes et démonstrations spectaculaires telles que la conduite des troupeaux ou le tondeur de moutons. Et oui, les stars de cette manifestation, ce sont bien les brebis. Alors vous avez choisi l'agneau? Oui, monsieur. Pourquoi l'agneau? Parce que j'aime l'agneau, et puis parce qu'il y a de l'agneau. Mais bon, ça me fait mal au cœur quand même, parce que je les aime trop, ces petits agneaux.